Bonjour Sandrine, bonjour, bonjour. N'hésitez pas à laisser un petit message afin que je voie qui se joint à nous pour cet après-midi. Bonsoir Pascal. On va peut-être être un peu moins nombreuses que le jeudi, hein. Qu'en pensez-vous? Ça arrive tranquillement. Alors, on va essayer d'avancer sur notre album Auberge de campagne aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, si on ne finit pas aujourd'hui, on se retrouvera demain à 14h afin de le continuer et qu'il soit terminé avant mon départ en congé. Bonjour Christine, bonjour Francine, je suis ravie de vous retrouver. Hop là, on va lancer l'enregistrement tranquillement. Bonjour Nadège, bonjour Marie, bonjour Josette. Alors, hop. Mon album, il est là, il nous attend, mais celui-ci, il est encore un petit peu vide, hein. On va le mettre de côté. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Sandra Christel, démonstratrice stamping-up dans les Yvelines. Démonstratrice stamping-up, c'est tout simple. Tous les projets que je réalise en live sont faits avec des produits de la marque stamping-up. Vous pouvez bien entendu les réaliser avec les articles que vous avez chez vous, sans souci. Si vous voulez par contre réaliser la même chose que moi avec les mêmes papiers, les mêmes tampons, les mêmes découpes, c'est très simple. Il vous suffit soit de passer par ma boutique en ligne, soit de me contacter directement et je vous guiderai dans vos achats. Aujourd'hui, on continue notre album Auberge de campagne, donc la deuxième partie. La semaine dernière, donc le jeudi, puisque normalement c'est le jeudi exceptionnellement, on a changé de date. Je vais vous transférer de côté déjà. Hop là, et voilà. Exceptionnellement, on est mardi, mais avant de partir en congé, je voulais qu'on avance. Donc la semaine dernière, on a fait toute la structure de notre album et on avait commencé donc cette première partie ici qui permet déjà de ranger pas mal de photos. Il manque, tiens, enfin, je pense à rajouter le DSP avant d'offrir cet album. Bonjour, bonjour, bonjour Nadine, bonjour Pascal, hello Gazelle. Alors, aujourd'hui, on va commencer la page numéro 2, donc vous inquiétez pas, moi, tout est prêt, tout est là, tout est prédécoupé, ce qui va nous permettre d'avancer sur notre album. Bien entendu, si vous avez acheté mon kit, vous avez toutes exactement les mêmes dimensions que moi. Je vais les donner à l'oral, les dimensions, ce tutoriel papier, je suis désolée, je ne le donne qu'aux clientes qui ont acheté mon kit, mais vous ne devriez pas avoir de soucis pour le réaliser. Tu as réussi à refaire le mini d'hier. Génial! Tu commenceras à ton rythme, Chantal. Tout à fait. Prends ton temps. Franchement, il n'y a pas de souci. Tu prends le temps que tu as besoin. Il faut mieux prendre son temps, ne pas se stresser, ne pas aller trop vite et être totalement satisfaite de son travail. Bonjour, bonjour à ceux et celles qui arrivent. Alors, pour cette partie-là, nous allons avoir besoin d'un morceau ici de mystérieuse brume de 21 cm par 21 cm. Un morceau de papier blanc simple de 20 et demi par 20 et demi et j'aurais tendance à dire qu'il nous faut un DSP de 20 par 20. Ah non, j'ai rajouté un bleu aussi. Attendez. Ça doit être celui-là. J'ai également rajouté un morceau bleu, il est là. Donc celui-ci en bleu bohème fait 20 par 20. Et nous avons un morceau ici de DSP qui lui mesure 19,5 par 19,5. On va déjà les mettre tous ensemble. Alors, on va remettre ça à sa place. Je pense que je me suis trompée dans la disposition. Hop, je vais reprendre toutes mes dimensions. Donc ici, on a un morceau en bleu bohème qu'on va attacher ici au blanc. Ça doit être par là. Hop, on va le mettre de côté. Ça va sur le bleu bohème. Ici, on a un morceau de 20 cm par 20 cm en bleu bohème et un morceau de 20 cm par 20 cm en bleu bohème et on a un pli à 1 cm. Ce pli, on le marque. Hop. Et je récupère. Hop. On va installer dessus un morceau. Hop.
Donc je retrouve mes petits de double face et on va créer une pochette. Sur cette pochette, on va coller ensuite toute cette partie-là. On les met bien en face. Il faut être bien droit parce qu'on crée une carte. Hop, et voilà. Cette partie-là, elle est nickel, il n'y a pas de souci. Maintenant, on va pouvoir coller dessus directement. J'ai mis le blanc là et celui-là là. Donc dessus, on va coller notre DSP de 19,5 par 19,5. Ça, c'est bon, il n'y a pas de problème. Si ma colle veut bien sortir, ça serait quand même plus sympa. J'ai dû le laisser sécher un petit peu. Il faudrait que je remette un petit trou. Ouh, c'est mieux ça. Hop. Donc, dans le bon sens, ça serait mieux. Hop. On met notre DSP donc sur notre carte qui fait en fin de compte un carré de 20 cm par 20 cm. Ce même carré, on va le coller sur notre base de 21 par 21 auquel on aura mis un morceau de blanc de 20,5 par 20,5. Et celui-là, on va le coller comme ceci ensuite. Et c'est là qu'on voit tout ce détail de couleur qui fait joli. Hop, je le mets dedans. Comme ça, ça, c'est fait. Maintenant, on va faire le système pop-up. Vous le connaissez, je l'ai fait il n'y a pas longtemps, mais en carte. Cette fois-ci, on va le faire en album. Et vous allez voir que ça passe aussi très très bien. Et l'effet pop-up fonctionne très très bien sur ce style d'album. Il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est notre base et la carte est là, on l'ouvre comme ceci. Notre carte est faite de blanc simple, donc en 19,5 par 19,5 et 19,5 par 21. Et j'ai fait un pli, hop, à 19,5. Et là, on va pouvoir le coller ensemble. Et c'est là qu'on ne colle rien de plus, puisqu'on va devoir s'occuper de faire quelques petites découpes. Je vérifie juste que je n'ai pas rangé un aimant de plus, parce que c'est mon habitude d'en mettre un peu partout. Il y en a un là, on est d'accord. Je me connais, hein. Hop. Un petit aimant à coller. Donc là, je mets deux morceaux, hop. Comme ceci et ça va être nickel. Comme d'habitude, on enlève juste un petit peu des protections. Voilà. On est bien droite. Et là, on enlève nos protections et donc nous avons une carte qui est ici. C'est cette carte qu'on va couper. Alors, on va faire d'abord un pli à 13 cm de chaque côté de notre carte. Donc, hop, on va plier ici à 13 cm sur toute la longueur. Ça sera vraiment le repère à garder. Et ensuite, on va couper. Vous allez remettre votre feuille en deux, la mettre comme ceci et on va couper. Alors, je vais commencer par prendre mes 2 cm sur la droite de mon coupe-papier afin d'avoir ma plus grande déstabilité ici.
et vous allez couper jusqu'au pli que vous avez fait. Hop, on remonte tout ça là. Deux centimètres. Ensuite, je me mets de l'autre côté de façon cette fois-ci à avoir plus de largeur. 6 cm, ce qui fait que j'aurai des plis entre deux qui feront tous les 4 cm en fin de compte. Si ça peut vous donner une idée d'objectif. Ensuite, 7 et demi. Pourquoi? Parce que entre chaque petit pont, on aura, je vous montre, ça sera plus facile de que vous compreniez. Hop, ici. Donc là, j'ai 2 cm, là 4. 1,5, 4, 1,5, 4 et 2. Ça va vous permettre de voir exactement ce que j'attends de vous et comment plier vos petits papiers derrière. Hop là. Donc là, j'ai dit 7,5, hop. On plie jusqu'au petit bourrelet qu'on a fait là. Ensuite, on va à 11,5. Donc, si vous avez un doute, vous regardez et vous avez bien 4 cm. Ensuite, on a, hop, 12,5, on monte à 13. J'ai dit 11,5, donc c'est bien ça, ça fait 13. Plus 4, hop, 17 centimètres. Est-ce que c'est bon pour vous? Et voilà. Alors, une fois que vous êtes là, donc cette partie-là, va venir ensuite se ranger ici. Vous voyez? Mais on aura nos papiers là qui eux vont être pliés. Dans l'autre sens afin de créer, hop, je vais les mettre un par un, mes petits ponts. Et voilà ce que ça va donner. C'est bon pour tout le monde? On est OK? Alors, tu as ta Freebox hors service. Mince, toi aussi suite à l'orage. J'avais le même problème hier avec, enfin, et pas moi, mais Evelyne. Oui, tout à fait, 19,5 gazelle. Vous êtes nombreuses, hélas, à avoir eu des petits soucis avec l'orage. Une fois que vous avez fait cette partie-là, on va la coller afin que notre projet soit bien en place. Donc, on met de la colle que sur les parties blanches, parties qui ensuite vont être hop, rabattues comme ceci, et on colle comme ça les deux côtés, l'un après l'autre. Je suis relativement droite de chaque côté, c'est pas mal. Et là, hop, on va rabattre notre carte. Et j'ai déjà un côté de collé. Maintenant, on va coller la deuxième partie. Ceci.
OK? Donc vous voyez, vous avez votre carte qui est en place, votre système pop-up qui est intégré intégralement dans votre album. Maintenant, c'est très simple. J'ai utilisé, hop, j'ai récupéré mes dimensions, ça serait quand même plus sympa. Ici, deux morceaux de 12,5 par 19 cm en mystérieuse brume, auquel cas je vais ajouter dessus deux morceaux de 18,5 par 12. Et on va pouvoir les installer des deux côtés. Donc vous installez votre papier design, votre papier cartonné. Le maté, je trouve que ça fait plus joli. Après, c'est à vous de voir, hein, si vous n'avez pas envie de le faire. Mais moi, j'adore. Voilà, et celui-là, je vais le coller ici. Vous voyez ce que ça donne? Donc là, on peut vraiment mettre deux belles photos sans aucune difficulté. Et ensuite, j'ai préparé donc six morceaux de mystérieuse brume qui mesurent 3,5 par 6. Donc vous les installez un petit peu partout comme ça sur tous les petits ponts que vous avez créés. Et dessus, vous installez du DSP qui mesure 3 cm par 5,5. Vous les collez ensemble, vous les assemblez et vous pouvez tout installer comme ceci. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous avez fini votre carte pop-up. Josette, t'as tout compris. Magnifique, je suis ravie. Donc là, on colle tous nos petits rectangles et on a fait notre page supplémentaire. Après, il ne vous reste plus qu'à mettre le message que vous désirez mettre. Vous avez tout de suite ça de la tête, hein. Donc, ça peut être pour un anniversaire, pour une fête, juste pour le plaisir d'offrir ou garder régulièrement vos plus belles photos dans un album. Pourquoi pas? Ce qu'il faut surtout, c'est que vous vous fassiez plaisir. Cette page-là, c'est bon. La suivante, c'est la page numéro 3. Je vous la montre. On sera plus simple. Elle est là. Donc on a toujours notre base de mystérieuse brume, du blanc, du papier cartonné bleu bohème et du papier design. Et dessus, on a une carte qui s'ouvre et là, on a un dépliant qui nous donne un petit effet pop-up. C'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, moi, j'ai tout préparé et tout est là. Donc, quand vous achetez le kit, vous avez les petits plans qui vont avec. Comme ça, vous l'aurez toujours en souvenir. Donc, notre première page de 21 par 21. On a ensuite du papier cartonné qui mesure. Celui-là, j'ai dû un peu louper la mesure quand même, parce que pour du 20,5, je le trouve un petit peu grand. Demi. Il n'y a pas grand-chose, hein, mais ça joue. Hein. On a ensuite notre papier cartonné en béguin bleu et notre papier design, comme ceci. Alors, notre papier design, lui, mesure 19,5 par 19,5. Donc, comme d'habitude, hein, on enlève toujours 1 mm à chaque étape. Donc on les colle ensemble.
Ça t'a plu, Josette, comme style de page? Donc là, hop. On colle. Tous nos morceaux les uns sur les autres, toujours avec notre petit millimètre qui dépasse à chaque fois. Le fait d'avoir ce changement de couleur rend vraiment un petit plus au projet. Après, vous pouvez ne pas aimer, vous avez le droit. Tant qu'il vous plaît à vous, tout va bien. Voilà. Dessus, on va coller une base de cartes qui mesure alors 29 cm par 15 et j'ai fait un pli à 14 et demi. Là, c'est bon. Ensuite, on a une base blanche qui fait 14 par 14 et demi puisque là on a 15 cm, hein. Donc là, ça fait 14 par 15 et demi. Hop. Chantal, ça te plaît? Alors, j'en profite, hein. On est ensemble, on est entre nous, on est d'accord. Que faut-il, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour créer cet album à moindre coût? Est-ce que quelqu'un a une idée? Je vous laisse réfléchir 2 secondes. Ensuite, on en a besoin d'un DSP qui fait 14 cm par 13 et demi. Alors, je ne sais pas si c'est celui-là. Ça m'a l'air pas mal. Et les deux autres qui sont là doivent faire la même taille. C'est pour l'intérieur. Hop, nickel. Alors, qui a une idée? Moi, je sais, hein. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pas payer trop cher ce... Ah oui, Pascal, d'accord, on enlève le matage. Mais c'est pas par là que je voulais aller. Je t'en ai déjà parlé en plus. Hop. Eh ben, rien que tous les papiers, vous pourriez, en étant démonstratrice, avoir au minimum 20% de réduction. En sachant qu'en fin de compte, le prix de cet album, c'est surtout le papier. On est d'accord. Puisque, d'une manière générale, je ne vous compte pas les aimants, que j'en ai oublié un tout à l'heure d'ailleurs, et que c'est surtout le prix du papier qui refait le prix de cet album. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire si on en vient par là? Je vous laisse me répondre. Hop. Alors, à l'intérieur, je vais mettre 2 DSP de 14,5 par 14. Hop, je vais mettre des petits pois. Histoire que ça soit plus discret. Devenir des mots. Voilà. On est d'accord, Francine. Je te félicite. Et vous savez pourquoi? Parce qu'à toutes mes filleules, je leur donne mes tutos. Gratuitement. Alors si j'oublie, ils me disent Sandra, t'aurais pas oublié de nous donner ton tuto, t'avais pas dit que tu nous le donnais. Et je publie sur notre site d'Escropine le tutoriel. Donc là, toutes celles qui font partie de mon équipe peuvent faire leur album Auberge de campagne grâce au tuto, mais surtout elles ont le prix du papier avec leur réduction de 20 à 25% suivant le niveau qu'elles ont. Mais d'office, elles ont au moins 20%. Donc je vous laisse imaginer ce que ça fait comme réduction sur le prix de votre album. Quand même. Moi, je trouve que c'est intéressant quand même. Donc, j'ai collé 14,5 par 14, mes 2 DSP ici. Et maintenant, j'ai une carte ici qui mesure 18 cm par 9 avec un pli à 9 cm. Alors, est-ce que quelqu'un serait tenté par recevoir des tutos gratuitement comme ça tout le temps, tous les mois? Qu'en pensez-vous? Moi, je trouve ça intéressant. Vous marquez votre pli, donc 9 par 18. Un pli à 9 cm.
On va pouvoir coller tout de suite à l'intérieur nos deux petits cartons en bleu bohème. Non mais il n'y a pas d'âge, Josette. Tu le fais pour toi. Je vois pas où est le problème. J'ai des personnes qui sont sûrement plus âgées dans mon équipe et elles s'éclatent. Je te jure. Et puis c'est quoi ça, être vieille? Non mais c'est dans sa tête, les filles. Franchement. Moi, il y en a certaines, j'aimerais bien être aussi efficace à leur âge. Hein. Franchement, c'est dans la tête. Mes morceaux bleu bohème font 8,5 par 8,5. Je les pose comme ceci. Et ensuite, on va faire nos petits dessins. En plus de ça, le jour où vous ne voulez plus commander, bah, vous ne commandez plus. Vous ne faites pas votre chiffre trimestriel. Eh bah, c'est pas grave, vous n'êtes plus démo, vous redevenez cliente. Franchement. Et en attendant, vous avez profité de toutes les occasions que vous avez pu avoir pour avoir des tutos, pour partager de bons moments en équipe, ce qui est quand même pas mal. Et surtout, on passerait du temps ensemble, en vrai, en zoom, comme ça je vous vois. Ça, c'est le petit truc en plus pour moi quand même, parce que je me sens des fois un peu seule quand même. Alors, nous avons besoin pour réaliser le système pop-up de notre carte. Je dis plus rien, hein, on en reparle si vous voulez. Un morceau de 9 cm, de 10 cm par 5, donc celui-là je l'ai déjà coupé, il n'y a pas de souci. De chaque côté, je fais un pli à 1 cm dans les 10. Donc un pli à 1 cm et un pli à 9 cm. Ensuite, dans le centre ici, donc on a 8 cm, donc à 4 cm du bord, on fait un petit repère. J'avais pas un crayon de papier tout à l'heure. Si, il est là. On va faire un petit repère. Hop, je me mets là, au centre. Ici, j'ai fait un petit repère. Oui, à réfléchir, je suis tout à fait d'accord, Chantal. Et on va faire un deuxième repère à 1,5 du bord, mais en partant du pli. Donc à 2,5, si vous préférez, vous faites un petit repère de l'autre côté. 2,5. Hop, un petit repère sur le bas. Donc là, j'ai fait deux repères à 1,5 du pli de chaque côté et j'ai fait un repère au centre de notre papier. On est d'accord? Maintenant, je vais me baser par rapport au pli du centre et je vais faire. Bon, je vais carrément le dessiner, comme ça vous verrez. On va faire un repère ici, hop, à 2,5 cm. Vous le voyez bien? Donc, de mon repère de la moitié de ma feuille jusque-là, il y a 2,5 cm. Et en fin de compte, ce qu'il va falloir, c'est qu'on relie le point central ici à 2,5 au repère qu'on a fait à 1,5 de chaque côté. Donc là, vous prenez soit un plioir à os, soit votre coupe-papier. Et hop, vous tracez un petit trait. Tout à l'heure, il faut que je vous partage ce que j'ai pas eu le temps hier, les superbes projets qu'on a fait en Zoom créatif la semaine dernière. Vous allez voir, c'est magnifique. Elles ont fait des merveilles. C'est ça aussi de faire partie d'une équipe, hein. Hop, hop, hop. Je voulais vérifier que je ne me sois pas trompée, c'est nickel. Et ici, on plie aussi. Donc là, vous allez marquer tous vos plis. C'est vrai que j'ai oublié. En fait, au milieu, à 4 cm, là, il faut descendre le pli jusqu'au bout. Donc ça, c'est bon. Et ça, c'est bon. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez? Avec plaisir, Pascal. Donc, on va installer ce projet maintenant dans notre carte. Je vérifie juste comment je l'ai collé, histoire que je ne fasse pas de bêtises. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Et ça, c'était à plat. C'est parfait.
Tant qu'à faire, on va éviter de recommencer deux fois. Alors, on a besoin de coller ici, comme ceci, dans la longueur. Et on va coller uniquement le petit centimètre qui est là. On est d'accord? Vous descendez à peu près à un bon gros centimètre du haut. Vous laissez le pli central dans le pli de votre carte. Et hop, on plie. On fait pareil de l'autre côté. Et regardez quand on plie ce que ça donne quand on a bien appuyé nos plis. Et maintenant, on va mettre de la colle ici sur notre triangle, uniquement sur le triangle. Voilà. Et on va installer notre carte comme ceci. Une fois que cette partie-là est faite, on attend un petit peu que ça prenne quand même, parce que là on a mis de la colle, hein, pas du double face. Mais quand on ferme, notre carte se ferme aussi. Et là, elle s'ouvre et elle se referme. Et on a fait un nouveau pop-up. Pop-up qu'on va coller ici dans le centre de notre carte. C'est bon pour tout le monde? Alors, et rien ne dépasse, c'est magique. Non, c'est prévu pour Pascal. Et voilà, regardez. Hop là. La deuxième est faite. Hop. Ensuite, on va en faire une qui est très très simple, puisqu'on va faire juste une pochette. Hop. Elle est là. Donc toujours notre base de cartes. Vous remarquerez que je les ai collées. Puisque là, c'est vraiment du tout simple. Donc 21 par 21. Toujours en mystérieuse brume. Le blanc en 20,5 par 20,5. Et notre papier design en 20 cm par 20 cm. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un morceau de mist bleu bohème. De 22 cm par 10. Et on va faire un pli à 1 cm. Et un autre à 21 cm. Donc là, on a 22 cm et on va marquer nos plis. Voilà. Dessus, j'ai mis un morceau de blanc de 9,5 par 19,5. Et ensuite, j'ai placé un morceau de DSP de 9 par 19. Et donc, on va installer notre pochette comme ceci sur l'intérieur de notre projet. C'est bon pour tout le monde? Ce que je vous conseille de faire, c'est juste de couper les petits bords sur le côté comme ceci afin qu'on ne les voie pas, ça fait beaucoup plus joli. Après, vous avez la possibilité de les cacher, mais il y a plein de solutions qui existent. Donc, à vous, après, de choisir la solution qui vous convient. En sachant que mon papier a un sens, donc faites très attention au sens où vous collez votre petite votre pochette. Et comme ça, ici, vous allez pouvoir mettre des tags différents. Je vais en prendre un ou deux ici. Hop. Et vous voyez, vous pouvez coller des photos supplémentaires après dedans. Et ça fera très joli. Je vais prendre du double face. Ici. Et là. Hop.
Alors, j'enlève juste un petit morceau. Je suis à l'endroit, ça m'arrange. Hop. Je suis droite ici, je suis droite là. Et c'est bon. On enlève la protection de double face et notre pochette va être posée tout tranquillement. Ça, c'est une page qui est très simple. Pensez que quand vous faites un album, on ne peut pas faire que des pages compliquées. On a besoin d'alléger un petit peu nos projets afin de le rendre plus facile à regarder, en fait. Donc, vous voyez là, c'est une pochette toute simple à faire. On peut déposer nos photos à l'intérieur, nos souvenirs, et ça passe très, très bien. La suivante est un petit peu plus copieuse. On est parti, puisque nous avons un petit effet d'ascenseur sur notre carte. Hop. Donc c'est la page numéro 5. Et je vais vous donner tous les petits détails de cette page. Nous avons déjà une partie en mystérieuse brume de 20 cm, de 21 cm par 21 cm. Ensuite, nous allons avoir besoin de deux morceaux de 22 cm par 11 et on va faire un pli sur les trois côtés, donc deux petits, un grand. Et vous allez couper vos angles comme ceci afin de créer les deux pochettes nécessaires à cet ascenseur. Vous voyez ce que ça donne? Bonjour Annie. Oui, elle est très facile celle-ci, celle qu'on vient de faire, Chantal. Mais il faut aussi en faire des très faciles. Donc là, on a nos deux morceaux de 22 par 11. Et vous avez fait un pli sur trois côtés de 1 cm. Je marque mes plis. Voilà. Et nous allons avoir besoin également en bleu bohème d'un morceau de papier cartonné de 20 cm par 20 cm. Ce morceau va accueillir nos deux pochettes, comme ceci. Une là. Et une autre ici. Jusque là, pas de problème. Sauf que on va pas les coller tout de suite, tout de suite. On va en préparer une qu'on va pouvoir coller. Mais surtout, vous y allez tout doucement parce qu'il faut pas être trop rapide. Sinon, on pourra pas faire fonctionner l'ascenseur. Donc, vous collez une des deux pochettes, mais pas la deuxième. Je vais la coller avec du double face parce que comme ça, c'est plus rapide. Et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi on ne peut pas tout faire en même temps. Si on veut que l'ascenseur fonctionne, il va falloir qu'il soit inséré entre nos deux pochettes. Donc si vous collez tout d'un coup, ça passera pas. On arrête après cette page, Francesca, donc tu pourras regarder la suite après. Et on finira demain. Je pense que, vu l'heure, on en fera peut-être une autre s'il y en a une petite. Ouais, non, même pas. Je pense qu'on finira demain. Donc, tu t'inquiètes pas. Prends le temps. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas mort d'homme si tu vois un petit peu après en replay. Mais tu verras, ça va bien se passer. Donc, on a posé la première et on posera la deuxième. Sauf que, en attendant, on a besoin d'un morceau. Il est là, notre mécanisme. Il mesure 15 cm. 15 cm par 5 cm. Vous allez faire un pli à 2,5, 5, 10 et 12,5. Et on va marquer les plis. Par contre, voilà le pli qu'on va devoir avoir. Hop. Regardez l'effet que ça doit avoir. On est d'accord? Donc les petites languettes vers l'extérieur. Vous savez, comme les petites grenouilles. On est d'accord? Et on va mettre de la colle sur nos deux petits rebords pour qu'ils soient collés ensemble. Je
le fais devant vous, excusez-moi. Je suis sortie du champ. Et là, hop, on les colle comme ceci. On est d'accord? Vous voyez ce que ça donne? Et en fin de compte, il va falloir mettre la première ici. Et comme ça, on insérera la deuxième là. Et ça va permettre à l'ascenseur de monter et descendre, tout simplement. Alors, il ne faut pas que ça soit trop serré. À la limite, je vais le mettre dans l'intérieur ici de la carte. Je vais enlever 2-3 petits millimètres. Hop, pour que ça ne gêne pas le glissement ici, hop, de la carte. Je pousse ça. Ça, c'est pour après. Donc, ce qu'il faut, c'est mettre en place cette partie-là et installer ensuite la deuxième partie, hop, comme ceci, de chaque côté. Et notre ascenseur va monter et descendre. On est d'accord? Ah, t'es en retard. Excuse-moi, je viens juste de réaliser, Francesca, qu'en fait, tu viens d'arriver et donc tu as loupé tout le début. Ne t'inquiète pas, c'est enregistré. Je vais vite publier le replay que tu puisses récupérer tout ça. Hop. Donc, on va poser nos doubles faces. Et on va le remettre en place et c'est là qu'on va enlever nos protections afin d'installer notre deuxième pochette. Et c'est cette partie des deux pochettes qui en fin de compte forme l'ascenseur. Il va permettre que ça fonctionne. Donc je me mets bien droite là. Voilà, lui il bouge et je vais coller la suite. Donc on enlève les petites protections, mais surtout n'oubliez pas que le plus important c'est de mettre le mécanisme avant de tout coller, sinon bah, vous ne pourrez pas le faire. Tout simplement, il vous faudra recommencer. Donc une fois qu'on a fait cette partie là, c'est très facile, donc on n'aura plus qu'à coller notre base là. Mais on va avoir besoin maintenant de 4 bases de cartes. Et elles font 9,5 par 19, avec un pli à 9,5. Et on va les coller comme ceci, près de notre ascenseur, avec l'ouverture vers l'intérieur à chaque fois. Et c'est le fait de monter et de descendre notre ascenseur, donc n'oubliez pas le petit bourrelet vers l'intérieur, qui va vous permettre d'ouvrir à chaque fois nos petites pages. Vous voyez? Donc avant de les positionner, on va également coller dessus 4 morceaux de papier blanc et 4 DSP. Donc le papier blanc mesure 9 cm par 9 cm et les DSP 8,5 cm par 8,5 cm. Oui, Josette, en fait, c'est ça, de comprendre, enfin, on a un tuto, c'est pas mal, mais de voir les gens faire, je trouve que c'est beaucoup plus explicite, puisque quand tu t'exprimes à l'écrit, toi, tu te comprends, tu sais ce que tu veux dire. Il n'est pas dit que les autres te comprennent. Et c'est aussi pour ça que j'adore les vidéos, c'est que je peux vous montrer exactement, et que si vous ne comprenez pas, il y a peut-être une deuxième explication qui peut arriver, et vous permettre de comprendre toutes les petites subtilités des projets. Donc, on va installer comme ceci nos petits papiers blancs et DSP et on va coller nos petites cartes qui permettront d'ajouter donc des photos supplémentaires. Moi là j'ai remis du DSP, vous pouvez bien entendu mettre des photos, mettre également, imaginez le plan d'une ville où vous avez été en vacances et vous le coupez en 4 et vous en mettez un bout sur les 4 parties. Ça peut être très sympa et ça peut vous permettre
d'avoir toute l'originalité de votre projet. Tu es une visuelle, Francesca? Eh bien, tu sais quoi? Moi aussi. Et c'est pour ça que j'apprécie d'autant les vidéos. C'est que je trouve, personnellement, moi, je comprends mieux en vidéo. J'ai besoin de voir pour comprendre. Ça a toujours été. Et c'est peut-être aussi pour ça que je me sens si à l'aise en vidéo. C'est que pour moi, c'est plus facile de m'exprimer comme ceci qu'à l'écrit. Et ça me permet de plus facilement vous transmettre ce que je veux vous expliquer. Alors, si lui, on le met comme cela, celle-là, elle est pas mal comme ça. Ok. Donc là, on positionne nos cartes pour voir l'espacement, si ça vous convient, entre deux, si vous voulez être plus haute, plus basse. C'est vraiment vous qui choisissez. Mais normalement, vous avez à chaque fois, pareil, 2-3 mm en haut et en bas, et vous pouvez coller vos petites cartes. Donc votre ascenseur peut être un petit peu raide au départ. N'hésitez pas à le faire travailler. Il en a besoin de façon à être plus souple, puisque c'est du papier. Le papier, ça vient d'un arbre, c'est un être vivant. Et il y a besoin, vous savez, de le manipuler un petit peu, de façon à le travailler et à ce qu'il coulisse de mieux en mieux. Et plus vous le faites coulisser, mieux il coulissera. Donc faites attention au sens de votre papier, comme d'habitude. Alors moi, sur celui-là, puisqu'il fait de mémoire 5, mon mécanisme, il fait 5, donc 5 par 5, j'ai rajouté un papier cartonné dessus de 5 par 5 et un papier design. N'hésitez pas à le faire de façon à solidifier, à rigidifier votre ascenseur. Mais oui, Francesca, y a pas, c'est normal. Moi, je suis comme ça, hein, je suis visuelle. Donc, je comprends tout à fait que je ne sois pas la seule, bien au contraire. C'est même rassurant. Donc voilà, notre ascenseur, il est là, regardez. Et tout de suite, ça fait sympa. Et là, on n'a plus qu'à coller notre page. Hop. Sur notre base de 21 par 21. Et elle est prête. Sympa, hein? Alors, on a fait quoi aujourd'hui? Oh, je pense qu'on peut en faire une de plus. Qu'est-ce que vous en pensez? Comme ça, on aura plus de temps. Allez. Comme ça, demain, on a quand même un mini-album à réintégrer dedans demain. On va s'en faire une petite de plus. Alors, et celle-ci est très simple. Pour changer, vous allez prendre une base en mystérieuse brume. Hein, et on va changer un petit peu puisqu'il y a une petite particularité sur celle-ci. Elle est en deux parties puisque c'est une pochette. Donc on a 21 par 21 et 21 par 22 avec un pli à 21. Vous en voulez une de plus, hein? Hey, bonjour Chantal! Alors, puisqu'on a fait un pli à 21, hop, on va le plier et on va l'intégrer comme ceci et créer notre pochette qui va se soulever. Vous remarquerez qu'en plus de ça, j'ai déjà un petit peu avancé les trucs à coller, histoire que je passe pas ma soirée, ma journée avec vous à coller. C'est quand même vachement plus sympa. Donc là, vous allez créer une pochette. Donc, vous avez vu comment on crée des pochettes, c'est très très simple à chaque fois. Donc là, ça fait une carte qui s'ouvre par le haut. On a des pochettes qui s'ouvrent à gauche, à droite. On a vraiment plein de choses différentes. Et il faut justement varier à chaque fois tous ces petits plaisirs pour donner de l'attractivité à vos albums. Donc là, hop, je me positionne. J'ai enlevé qu'un tout petit morceau de double face et j'appuie. Et là, on enlève toute la protection parce qu'on est bien droite. Oui, Daniel, il y a du taf en retard, mais il y a le replay. Ouf, tout à fait. Je suis d'accord. Il y a le replay. Ça va être très pratique. Une fois que vous avez créé votre carte qui s'ouvre sur le haut, cette fois-ci,
Vous allez avoir besoin de 3 morceaux de papier blanc de 20,5 cm par 20,5 cm. J'ai dit 3, 1, 2, 3. Voilà. Et dessus, on va coller sur deux de nos cartes, on va coller des DSP de 20 par 20. Et voilà, magique, les DSP sont collés sur deux des morceaux blancs. Donc 20 par 20 cm, donc celle du haut, va avoir un morceau comme ceci qui va être collé dessus. Une base de 21 par 21 pour mater du papier blanc de 20,5 par 20,5 et un DSP de 20 par 20. Je suis une coquine. Oui, j'avoue. C'est pas grave, j'assume. Sur notre papier ici, alors en haut, on va mettre du blanc et en bas, on va mettre notre DSP comme ceci. Là, on va rajouter une pochette. Maintenant, vous savez comment on les fait, les pochettes. Hop, je colle mon morceau en blanc, juste là, comme ceci. On va mettre une pochette, hop, qui est là. Alors, elle fait, deux volets, ils sont là. La pochette, 23 par 10 cm. On va faire un pli à 1 cm sur 3 des côtés, dont 2 des plus petits. On va coller dessus un morceau de DSP qui mesure 8,5 par 20,5. Il est là. Et on va marquer nos plis et la coller. Voilà. Et voilà. Donc là, on va coller ici une pochette, ce qui nous permettra d'avoir un petit peu plus de photos à ajouter dessus. Donc, on va mettre soit de la colle, soit du double face. Je vais mettre du double face pour pouvoir le manipuler tout de suite et passer à la page suivante. Donc là, comme d'habitude, vous collez des, vous pouvez ajouter des tags avec des photos. Tous les tags que j'ai pu faire, je les ai faits avec mes chutes des papiers cartonnés de l'album. Donc, n'hésitez pas. Et dans le kit, je vous ai ajouté 2-3 feuilles supplémentaires afin que vous puissiez à chaque fois, au cas où, un, vous tromper, parce que ça arrive, et c'est pas grave. Et de façon à ce que vous puissiez créer, pareil que moi, les tags, afin de ne pas être embêté. Vous collez votre pochette, voilà. Ici, hop, on enlève cette partie-là. Il faut enlever les deux derniers en même temps parce que sinon vous ne pouvez plus avoir accès. C'est très compliqué et je ne veux pas abîmer mon papier. Donc là, on a déjà créé la pochette du haut et j'ai laissé du papier blanc. Après, avec les tags, on va ajouter des papiers supplémentaires et c'est pas mal non plus de laisser un petit peu de blanc. Sur la partie du bas, je ne vais pas installer tout de suite mon papier blanc, donc de 21 par 21 avec mon papier design en 20 par 20, puisque je vais d'abord installer deux morceaux de papier mystérieuse brume qui font 21 cm par 14,85. Donc j'ai juste coupé ma feuille dans la longueur, mais j'ai fait un pli à 20 cm et on va les insérer dedans. Et une fois qu'on l'a collé, on colle notre papier blanc et notre papier design. Comme ça, on ne verra pas la couture. Donc, hop, je mets un petit morceau de double face ici, un deuxième ici, et on va les coller l'une sur l'autre, ici sur notre pochette. Alors moi, je la centre à peu près
haut et bas, c'est pas mal, je dirais 3 cm du haut et du bas à peu près. Hop, ça me semble bien. Et je vais coller la deuxième sur la première. Et voilà. Sur ces feuilles, je vais coller des morceaux de papier cartonné avec un demi centimètre de moins en béguin bleu. Donc mes pochettes en béguin bleu font 19,5 par 14,3 et mes papiers d'Isaac 19 sur 13,85. Vous voyez, on les colle comme ceci à chaque fois. Ceci. Vous avez vu toutes les photos qui vont pouvoir être ajoutées sur cet album. C'est impressionnant, hein? Dernière ici, et ensuite notre page de fond. Ça va là, et ici on va coller notre morceau de papier blanc avec notre DSP dessus, et ça va cacher la fermeture. Donc là, hop, on a nos pages ici et notre pochette en haut. Et il suffira de mettre une petite étiquette ici afin d'identifier la raison de cet album, un anniversaire, une fête, juste le plaisir de garder nos souvenirs à vous de choisir. Voilà, pour aujourd'hui, bah c'est fini. N'oubliez pas que si vous voulez commander le même papier, vous pouvez le faire, hein, le papier est disponible pendant un an. Donc Auberge de Campagne est vraiment un très très bel ensemble. C'est vrai que je l'apprécie beaucoup. On le voit pas mal sur mes projets, même si là je suis partie sur vif et coloré pour les prochaines petites vidéos. Ah ben, je vous l'ai dit. Bon, ben, on va rien dire, hein, vous avez rien entendu. Donc, mon dernier album était sur mon dernier petit projet hier était sur la collection Vif et coloré. Il y a des possibilités que vous revoyez cette collection passer à l'occasion. Voilà. Sinon, utilisez le code hôtesse pour vos commandes. N'oubliez pas qu'à partir de 60 euros d'achat, vous recevrez une surprise de ma part le mois prochain. Les surprises sont, j'ai plus qu'à les mettre à la poste là, donc ça part. N'oubliez pas non plus qu'à partir de 100 euros d'achat, vous participez à la tombola et qu'il y a 3 mini machines de découpé de gaufrage à gagner et qui seront donc tirées au sort le jeudi des retours de début juin. On fera le petit tirage au sort ensemble. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas que... on se retrouve demain, on est d'accord? À 14h, comme d'habitude. Et qu'on passera, on fera les dernières pages de notre album Auberge de Campagne. Je vous souhaite de passer un très bon après-midi. On se revoit demain. Bye bye!